Ce n'est que vous êtes un funérail. Qui croit qu'il a la victoire? Amen. 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 Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai un fléau, il y a toujours un remède contre ce fléau. Amen. 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 Actuellement, ils sont en train de dire, ils ont détecté une maladie en Amérique du Nord, là-bas, qu'on appelle ça Zika ou Zika. Regardez tout ce que les gens sont en train de faire pour éradiquer cette maladie. Ils sont en train de tout mettre en œuvre. Quand il y a eu l'Ebola, il y a eu des mesures de sécurité au niveau de la Côte d'Ivoire. Ton abouti que tu mangeais, tu le vois en brousse, tu attrapes ton cœur, tu le laisses passer. Abouti, c'est toi. Tu le laisses passer. On dit, si tu manges, il y a Ebola. Voilà. Donc, quand il y a un fléau, j'ai toujours les mesures qu'on prend pour éradiquer ce mal. Or, le problème de l'Afrique, aujourd'hui, qu'on ne veut pas, c'est la sorcellerie. Ce n'est même pas l'Afrique, c'est le monde entier d'ailleurs. J'étais à une émission radio où on dit, au temps de Jésus, Jésus n'a pas attaqué la sorcellerie. Mais pourquoi vous attaquez la sorcellerie? J'ai dit, mais c'est que vous n'êtes pas intellectuel. Vous qui me posez la question. Et comment vous définissez la sorcellerie? Parce qu'avant de parler, il faut qu'on ait la définition des mots. Sorcellerie veut dire quoi? Il ne sait même pas. J'ai dit, mais c'est dangereux. Vous m'invitez en une émission radio en tant que journaliste. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Celui qui est venu vous dire que Jésus n'a pas attaqué sorcellerie, c'est que lui, le fils du diable. C'est ça que ça ne lui dérange pas. Or, quand on attend sorcellerie, ça fait peur. Pourquoi? Parce que c'est des gens sans cœur qui sont capables de finir un village. Ils sont sans cœur. Or, je lui dis, bon, la définition de la sorcellerie, c'est tellement simple. Ça veut dire lanceur de sort. Celui qui lance un mauvais sort. Il dit, ah, il dit, ils sont animés par un démon. Laissez-le. Ils sont animés par un démon. Et quand ils ont ces démons-là, ce qui les anime, c'est de manger, c'est de détruire. Nous avons l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il disait, la différence entre moi et cette femme-là. Elle m'a attendu. Viens ici, madame. Elle est venue ici. D'abord, je l'ai envoyée parce qu'elle prend des sorcelleries. Elle est dans mon bureau. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que si c'est un sang d'écoute, on vous écoute. On sait que tu es sorcier, mais on t'écoute. Comme ils ont menti. C'est des menteurs. Vous pouvez pas, si vous n'avez pas le don de la détection, vous ne pouvez pas attraper sorcier. Vous allez avoir pitié. Oh non, elle n'est pas. Oh, c'est lui. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en lui, c'est l'esprit du mal. Or, nous avons le Saint-Esprit. Quand on pêche, on ment un peu, on regrette un peu. On dit pourquoi on a menti? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Or, eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, mentir, c'est normal chez eux. Or, pour eux, là, il faut mentir. Elle vient, elle a menti. Ils ont, au village là-bas. J'ai dit, ah. Tu sais devant qui tu peux mentir, pas moi. Parce que tu peux mentir devant tes camarades, tes soeurs, tout ça. On dit, il y avait parmi des pasteurs, je dis, non. Hein? Ta femme, la femme, ton pasteur, là, il y a sa femme dedans. Ah. Pasteur, elle a cassé les yeux, là. Sa femme était dedans. Ah, mais c'est normal. Si pasteur, tu ne vois pas clair, il faut qu'on casse tes yeux. Quand tu viens parler de Jésus, Jésus est bon. Tu ne vois pas sorcier. Il faut que ce sorcier, là, pisse dans tes yeux. Je ne peux pas faire ce travail-là sans qu'on ne voit clair. Vous suivez les gens bêtement, les gens ne voient pas clair. Non, c'est mon pasteur, c'est mon truc. Il faut qu'on pisse dans tes yeux. Soit tu vas pisser. Tu vas donner une hémorroïde, tu vas fermer tous tes yeux. Eh bien, il s'est dit, mais tu peux pas mentir, pas moi. Elle est en train de discuter, il faut sortir. Moi, on essaie de trop tuer sorcier. Faut tuer non. Après ça, elle a reconnu un peu. Après ça, elle est partie. Ils l'ont ramené. Elle est venue, elle a tendu piège. Elle m'a attrapé comme abouti. Parce qu'on attrape abouti dans la brousse pour manger son grain. Or, depuis le carrefour, j'ai déjà vu. J'ai ce don-là. Chacun a son don. Si je rentre dans un village, je sais où il y a canari de sorciers. Je sais où ils vendent leur marché. C'est mon don. Voilà. C'est ça qu'on va dire à l'hôpital, ils vont te dire, ah, le problème tu es là, il faut aller faire scanner. Il y a scanner partout. Voilà. Chacun sa spécialité. Tu rentres dans lui, fini pour lui, le spécialiste. Tu vas dans tel département. Chacun a sa spécialité. Dieu sait tellement jamais trop. J'ai dit ça aux gens, j'ai dit, chacun est unique dans le monde ici. Il est unique. Ce que Crasso peut faire, l'autre ne peut pas faire. Il va peut-être faire la photocopie, mais il ne peut pas faire la même chose. Voilà. C'est ça que nous autres, nous allons dans les villages, nous déterrons les choses. Et je suis habitué à ça. Je viens, il la coince, elle parle. Ses parents sont venus. Avant-hier, la prendre, ils vont la dépecer. Oui. Tu es libéré, non? Il n'y a pas plus grand. Eux, ils ont gros qu'un poutier, l'homme, là, c'est facile. Ils vont la couper,
et puis la jeter dans l'eau. Vous faites la pêche, non? Comme ça, le poisson, c'est à part. Quand le poisson va venir, là, ils vont prendre, on les manger la baguina. Amen. Amen. Je les protège. Je les protège. Il ne faut pas qu'on la touche. Elles sont proches, proches. Elles ont mangé poisson de thon. Proches. Ils ont mangé des poissons de thon. Elles se sont retrouvées à Saroko. 12 personnes. 18 même. Tout un village. Dès que tu as pris, là, tu es fini de t'étouffer. S'assois sur toi. Grosse femme. Grosse femme, ma fantine. C'est pas ma fantine, mais c'est libéré. Comment j'appelle libéré, comment de votre tétiné, c'est bon. Ah, cours. Va t'asseoir sur toi. C'est fini. Je l'ai protégé. Pourquoi? Parce que ce qui est en moi, c'est l'amour. Il ne va pas permettre qu'on tue un être humain. Quels que soient les problèmes, je l'ai protégé. Donc, ici, elle se sent plus en sécurité que chez elle en famille. Je les ai appelés. Vous dites, attention, vous avez envoyé quelqu'un en train de délivrer. Ok. En train de délivrer une personne, vous voulez prendre la personne, aller la tuer. Non, ce n'est pas comme ça. Non. Le christianisme apporte la vie. Et la voici là. Elle est plus en sécurité ici. Il faut la demander, va, elle va te dire non. Tu dis, tu ne vas pas, non. Tu vas servir Dieu ici. Amen. Ici, là, on ne met pas la caliban. Or, à l'église. À l'église, elle a pris l'église, elle a fait comme Kaniba. Elle a mis en bas d'elle. Ah, mais parce que tu vois pas clair. Donc tout le monde à l'église est étouffé. Ton mariage est étouffé. L'argent même est étouffé. Ça en bat de la femme. Une église. Mais Satan, c'est vos camarades. Tu es pasteur, tu prêches, tu vois pas clair. Elle est venue la pisser. Tu dis, tu vois pas clair avant, non? Tu as cassé ses yeux. Madame, c'est à toi, je parle. Hein? Comment tu as fait? Hein? Pour montrer comment tu as fait. Il était où tu as fait? Il parlait. Jésus est merveilleux. Jésus est quoi est merveilleux? Et tu vois pas clair? Hey, les sorciers là, ils viennent à l'église, c'est pas pour se convertir. Hein? Ils ne viennent pas à l'église pour se convertir. Ils viennent pour tester la puissance de Dieu. On a trouvé ça ici. Donc elle-même pensait que c'était comme l'église là-bas des infantiles. Pour venir jouer moi. Oh, le détecteur. Moi, il y a un don. C'est dans ma tête. Tu ne peux pas me dire ça. Non. Il dit aujourd'hui à son procès, il y a trappe aussi. Donc j'ai repéré la chose. Je suis venu dire, mais ton trou là, c'est pourquoi? Je suis descendu dans la voiture, j'ai géré ça en 2-3 minutes. Je rentre dans un village, c'est 1 heure du temps. Pour livrer un combat. J'ai fait 1 heure, j'ai le village en main. Puis je commence à dire, venez, là, voici la queue de l'église. Jésus sorcier, Jésus sorcier, c'est mon don. On a un ville ici, ça dit. Jésus sorcier, vrai sorcier, j'ai dit Dieu. Moi je regarde, je n'ai pas dit vous fatiguez les gens. Ah, donc il y a où terminus. Jésus sorcier, vrai là-haut, ah, tu es vrai sorcier. Il dit oui, il dit ah bon, mange-moi, il dit pas de manger. Après il y a des gens qui ne mangent pas. Mange-moi, ça peut être mange les gens. Fatiguez les gens dorment, vous les fatiguez. Vous fermez le truc, les gens c'est... Quelqu'un, on t'a mis dans Kanimba. Tu as réussi dans la vie. Tu as Paris là-bas, tu es dans Kanimba. Tu es bloqué. Maintenant on veut l'attraper, nous on la protège. On protège l'être humain. Créer l'image de Dieu. Maintenant c'est ce qui est en elle. La mère, si ça enlevait, or son mari même qui est avec elle, dans le même deal, elle fait l'amour et le mari. Le monsieur pense qu'il est prêt, sa chérie, elle est sodomise. Donc le monsieur m'a peur. Sa petite fille aussi, c'est attaché dans ta fille. Madame, tu veux la manger? C'était quand? C'était quand tu as mangé la fille? C'est quand après? On te force une idée. Après t'as mangé. C'est comme si t'es poisson. Ouais. Ta preuve, tu devais la manger après. Donc, sa famille n'est pas en sécurité. C'est ici qu'on l'a délivré. Ouais. Si on veut la chercher,
j'ai eu confrontation. Parole contre parole. Non, je vais la prendre, non. À la protéger. Je suis du manifestant, là. Tu vois comment t'as protégé. Moi-même, tu n'es plus me manger. Je suis venu te délivrer. Et tu prends piège devant la porte pour voir me manger. Donc ce qui n'existe pas dans les sorciers, c'est l'amour. Or, un véritable enfant de Dieu qui ne manifeste pas l'amour. Moi, quand je dis à quelqu'un, il dit les chrétiens, c'est dans son comportement. Si tu ne peux pas me rendre service, tu ne peux pas aider quelqu'un, ta chrétienté n'a pas de sens. Oui, c'est l'amour. Et les sorciers, ok. Mais moi, je dois présenter moi l'amour de Dieu, l'aider à délivrer. C'est ça qu'on l'a dit. Ça va? Ton mari dit, va pas envers la main. Va envers ton mari. Marie, là, c'est pour le meilleur et le pire. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? 12 ans. Et tu fais l'amour à elle. C'est ça? Comment tu fais pour faire l'amour à elle? Oui, hein? Vous ne voulez pas entendre ça? Vous allez dégager. Vos questions, vous voulez poser là. C'est ce qu'il pose à la fin. Elle est les femmes. Comment Kiki sort le père sodomie le monsieur? Ah, vous parlez comme ça? Ah, vous parlez de l'amour là, des messieurs qui tombent sur elle. Non, c'est elle qui le sodomise. Kiki sort, puis elle sort, elle le monsieur. Ah, vous avez pensé que c'est. Non, mais c'est normal qu'elle promet son mari, il faut l'amour. Mais c'est elle maintenant là qui devient casson. Puis le pauvre type, matin, il a un problème d'hémorroïde. Elle va aux toilettes, il dure, fait 2 heures. Tout fait mal. Terminé sa sorcellerie. C'est ça quand tu veux marier là, il faut bien regarder. Regarde très bien. Madame, ça va, je t'aime, mais est-ce que tu voyages pas la nuit? Ah, tu dis non. Ça te dit non, voilà, scanner ici. Madame, elle est belle, hein? Ah, tu sais ce qu'elle a? La nuit qu'elle fait comme quoi? C'est Kiki. Tu as 2 mètres. Ouais, Kiki, là, c'est pas petit. C'est Kiki pour tuer. C'est pas pour faire l'amour, c'est pour te tuer. Tu as vu comme le diable t'a olé, non? Madame, tu as parti là-bas. Tu ne vas plus. Ils vont te demander qui a mis le sucre dans l'orange. Tiens. Je vais préparer la soeur graisse. C'est de mettre ton mari bien. Il faut manifester l'amour. Manifester l'amour. Si vous voulez. Vous devez manifester l'amour autour de vous. C'est le grand signe qui fait aimer les gens. C'est vrai, nous nous combattons. Moi, j'ai affronté les sorciers les plus terribles et puis j'ai continué de les affronter. Je vais les affronter, je suis là pour ça. Mm-hmm. Mais ce qui n'existe pas en sorcier, c'est l'amour. C'est la différence entre nous, les sorciers. Nous avons l'amour de Dieu. À un moment donné, il faut leur présenter l'amour. Oui, il faut les désarmer avec l'amour de Dieu. C'est vrai qu'eux vont toujours attaquer. Mais le jour où ils sont délivrés, qu'ils sont désormais animés par le Saint-Esprit, parce qu'il y a deux choses. Ou c'est vide, parce que même la nature aura du vide. S'il n'y a pas le Saint-Esprit en eux, c'est le démon. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est le démon. C'est ça, vous avez l'impression qu'il n'y a qu'une force qui vous parle, et cette force, ça vous pousse à faire du mal, et vous allez faire du mal. Parce que vous êtes conduit par un esprit satanique, donc eux sont habités par un démon. Quand vous gagnez cette personne qui décide d'abandonner la sorcellerie, il faut faire sa délivrance. Une fois elle est délivrée, qu'elle est habitée par l'Esprit de Dieu, elle devient efficace pour le royaume de Dieu. Elle va vous balancer tous les secrets de Satan. Oui. Ça gagner les débriper le règne de Satan. Et nous, c'est notre stratégie de combat. Amen. On dit amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut aider les gens à connaître Dieu. Il faut amener ton entourage avec l'amour. Avec l'amour pour amener beaucoup de gens à Dieu. Vous m'avez bien saisi. Petit, ça va? Comment t'appelles? Ah, comment trésor? Son petit nom, c'est quoi? Très. C'est ça? C'est Zadi Lobo. Ah ah, il y a Zadi dedans. Zadi Lobo. Zadi Lobo. Il y a Zadi.
Il s'appelle Zadi. 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 Tu es sorcier. Qui t'a donné? Le frère de ton papa, il n'a pas de nom. Comment il t'a donné? Hein? Il t'a envoyé dans sa chambre. Oui. Il t'a attrapé. Ça dit bébé. Où il t'a attrapé? Attaché même. Il a mort. Oui. Hein? Non. Comment il t'a attrapé comme ça? Ou bien comment? Comme ça. Hein? Il a dit quoi? Zadi, ça va? Mm-hmm. Voilà, Zadi, allons dans ma chambre. Zadi? Oui. Il a soufflé quoi sur toi? Mm-hmm. Ah bon? Quand il a soufflé le vent sur toi là, tu as vu quoi? Papillon. Papillon. Mm-hmm. Ah d'accord. C'est-à-dire que tu as vu un papillon et puis il a levé ton âme. Comment il a levé ton âme? Il a appelé ça. L'âme, ton âme est rentrée dans le papillon. N'est-ce pas? Et puis le papillon fait quoi? Hein? Le papillon s'en... Papillon, volez, volez, volez. Papillon s'envolé. Et ça fait quoi? Non. Quand le papillon s'envolait pour dire, il t'a dit c'est le travail que tu vas faire. Ok. Mais en tant qu'il t'a fait d'abord manger la viande et puis t'a fait boire le sang. Ça, ça ne manque jamais dans l'initiation. C'est une étape très importante. Il ne doit pas sauter. S'il saute, nous allons revenir là-dessus. Toutes les initiations sont pareilles. S'il t'a fait sortir du corps, c'est-à-dire qu'il a déjà préparé ton âme, et puis pour dire que tu peux prendre un autre corps. Oui, parce que tu ne vas pas être ton corps physique, fait la sorcellerie. Donc tu peux prendre la peau d'un animal, quelqu'un. Mais en temps, en vent, il ne t'a pas donné viande de l'homme et puis le sang. Et le sang. Ah, mais c'est la même chose. Ah, ta maman t'a donné le sang. Donc tu as vu ta maman là-bas. Et lui t'a donné le sang, viande. Ah, ta maman t'a donné le sang premier. Et puis lui t'a donné la viande. Quand tu as mangé, on dit maintenant tu es garçon. C'est ça? Maintenant t'as demandé de faire quoi? Délivrer ton papa. Et tu as tué quand on t'a donné là? Tu as tué qui premier? Oui, c'est la même chose. Qui est mort quand tu as fait sorcellerie? Qui t'a tué puis il est mort? Et Laurent? Le propriétaire de la cour, là, comment il s'appelle? La personne que tu as tuée qui est mort, c'est qui? Non, c'est pas possible. Toute initiation qu'on te donne, que tu as la possibilité déjà de tuer, gâter, c'est que tu as tué quelqu'un. Tu as tué qui? Et Laurent est où? Il est mort. Il a San Pedro. Mais qui t'a tué puis il est mort? Il n'y a pas longtemps, tu es dedans. Hein? Non, tu as donné Laurent. Hein? Qui t'a tué? C'est Laurent. C'est quand tu as donné Laurent, tu as fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mmh. Vois comment? Mais où t'as une chaîne là? La chaîne là. Mais où qui te donne ça? Ta chef. Hein? Chef. Quel, qui t'appelle chef là? Quel chef? Rodrigue. C'est qui? Jodé. Godé. Mbiamo. Oui, Godé, oui.
Il y a chien depuis un cadenas là-bas. Donc toi petit là, tu as attrapé Laurent. Laurent est comment? Et toi tu l'as attrapé. Comment tu as fait? Non. Il était où puis tu allais attraper Laurent? Et tu as fait comment? Pour rentrer chez lui. Ah ok. Donc on va déjà commencer à l'initier. J'aurais déjà pris son arme pour mettre dans le papillon. On dit, désormais quand tu vas vouloir te transformer, tu vas attraper ta victime, tu dois te transformer en papillon. Non? Tu t'es transformé en papillon. Et tu es rentré dans sa chambre. Et lui, il dormait. Il ronflait. Et tu l'as attrapé. Tu as fait quoi? Comment tu as fait pour prendre? Kaya, tu as fait comment? Hein? Ah, il a appris comment prendre bébé. Comment tu as pris l'arme? Tu as appelé son âme. Tu as dit quoi? Âme de Laurent vient. Âme l'a dit. C'est quelle couleur? Blanc. Et tu as pris ça? Comment ça a donné? C'est donné comme quoi? Un bol. Comme un bébé. Laurent est vaincu, il est dans la main d'un bébé. Si vous ne marchez pas avec Dieu, un enfant comme ça va te prendre la nuit. C'est vieux, même petit, un petit, c'est petit comme on a utilisé un cabri. Et tu l'as pris. Tu allais avec nous. Dans la forêt. Tu as vu l'attacher. Et puis il a dit quoi? Il dit rien. Tu n'as pas frappé. Il ne parle pas. Tu ne lui donnes pas à manger. L'arbre ne donne pas à manger. Il a attaché l'arbre. Et tu l'as mangé. Mais c'est lui. Il dit l'avoir mangé son âme, mais lui-même il l'a mangé. Tu l'as mangé quelle partie? Tu as mangé beaucoup, hein? Il t'a fait quoi? Et tu manges Laurent. Tu n'as pas épuisé le Laurent. Tu manges sa tête, son bras, cuisse. Tu aimes bien la chair humaine, hein? Tu aimes la viande de l'homme. Tu aimes ça? Zadie, tu aimes ça? Tu aimes? C'est doux? C'est sauce ou ah, bien tu fais quoi? Ça ne fait pas sauce. Tu braises. Tu le, là, il y a le feu. C'est le plus dangereux. Et tu es rapide. Tu braises vite, vite, vite. Et tu manges. Et tu as gâté qui? Tu fais envoler l'argent. Mm-hmm. Comment tu fais? Hein? Tu fais comment tu fais? Et c'est pourquoi? Pourquoi? Et l'argent, ça va où? Hein? Et comme ça, ton papa va pas avoir l'argent. Hein? Bon. Même si tu prends un peu. Si tu as... Que l'argent est parti. Ton papa va avoir l'argent. Hein? Ah, mais pourquoi tu prends tout, tu jettes? Comme ça, tu as mangé mangue, dagina. Ton papa n'a pas l'argent, là, tu as mangé. Comme tu manges la nuit, Laurent, là, c'est ça? Ton papa n'a pas l'argent, il va te nourrir comment? Tu réfléchis au moins. Sans l'argent, on peut te donner un pauvre, tu peux manger, manger, pauvre de manger. Ah, tu peux payer. Tu as l'argent. J'ai dit, tu prends l'argent de ton pouvoir, tu mets un vent dedans. C'est pas ça? Tu vas avoir l'argent, tu vas te nourrir. Tu vas manger comment? Si ton papa n'a pas l'argent, toi tu vas manger comment? Non, tu as gardé l'argent de ton papa. Tu as donné ça à ton monsieur là. Tu as fait quoi encore? Tu as pris quoi intelligent, ta petite soeur? Ta grande soeur?
Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Priscille. Priscille. Comment t'as pris l'intelligence? Elle t'a touché sa tête comme ça. Tu dis intelligence bien. Intelligence, c'est comment? C'est comme âme là aussi. C'est blanc. Et puis tu as mis ça où? Ça, ah, tu as pris ça dans ma chambre française. Il y a un quoi vous met là-bas? C'est pourquoi? Pourquoi tu as mis l'intelligence ta soeur là-bas? Pourquoi elle va être intelligente? Hein? C'est égal à zéro. Rien dans sa tête, c'est ça? Tu as gâté qui encore? Tu as livré ton petit frère. Comment ça s'appelle? Hein? Manu, tu l'as livré comment? Comment elle a livré ton papa? Tu l'as attaché ton papa aussi? La hague. On va les manger. Ça fait quoi encore? Maintenant, elle est rendue malade à mon tonton. Ton tonton t'a rendu malade. Tu as fait comment? Il y a un enfant qui vous rend malade. Tu as fait comment? Quand on parle des gens, on dit qu'il y a la maladie mystique, les gens ne croient pas. Un enfant te rend malade, il est bien dit. Comment tu as fait? Tu as envoyé la maladie comment? D'abord, ah, mort de tête. T'as touché la haine de tête, son corps chaud, la fièvre. Le petit est en train de le gérer. T'as fait quoi encore? Tu vois, il y a quoi? Il a quelle maladie? Il est là, il est malade sûrement. Donc tu peux donner maladie à quelqu'un. Tu as ce pouvoir là. Oui, il te donne. Maintenant, tu fais comment? Il jette ça sur la personne. La personne tombe malade. Ça fait quoi encore? Dis t'as tué, puis c'est fini. C'est fini. Oui. Tu gagnes quoi quand tu présentes tout ça? Je dis que si on vous vende, on la chaise blanche. Si on vous fait ça, on donne la chaise blanche. Il y a une chaise. C'est ça, vous regardez vous tous. T'as quoi des chaises? On les fait miroiter des conneries. On dit non, c'est la chaise. Mais il y a quoi dans la chaise là? Si chaise, il y a quoi? Hein, dans le pouvoir, donc tu veux être grand, tu vas avoir la force. On dit que si tu as tué, tu vas prendre la force, c'est ça? C'est à cause que ça tu tues.